C'est 4 heures la campagne. J'ai jamais joué au nouveau Battlefront. Je n'ai jamais joué. HDR on. HDR on. Mec, les graphismes de celui-là, c'est pas les trucs les plus incroyables. Il a allumé le HDR de mon écran, les gars. Je rigole zéro. Il rigole pas, hein. D'accord, il a remis le HDR, d'accord, ok, très bien. Moyen, tout est en moyen, les gars. Pourquoi tout est en moyen? Viens, on met tout en ultra, non? Viens, on met tout en ultra, comme ça, tout explose. Je fais péter ma machine, comme ça, NZXT, il m'en envoie une nouvelle. Ça, c'est une bonne strat, les gars, quand vous êtes sponsorisé par une marque. Vous faites exploser la machine. Pour quand tu y joueras, Locke, The Joy of Creation, c'est un fan game et il est pas sur Steam. C'est pour ça qu'il est sur Google, mais rien qu'avec l'interface du site, ça se voit qu'il y a zéro danger. Je l'ai sur mon PC. Roulade de combat. Alt, ouais, c'est bon. Maintenir pour accroupir, c'est bon. Ok, c'est bon. Tout est bon, ils ont pensé au QWERTY, je suis content. Ok, c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce let's play incroyable! L'histoire d'Iden, c'est ça? Affronter des ennemis, IA. Jouer. Mission solo. Campagne. Alors. Explorateur. Force spéciale. Affronter des ennemis impétueux, lutter à votre survie dans une authentique épopée Star Wars. Suivez l'histoire d'Iden Versio et livrez des combats. Les gars, Max, je me mets en Max. Vous pouvez modifier les paramètres à tout moment. Si vous êtes un gros nul. Voilà, mesdames et messieurs, difficulté maximale. C'est parti. Alors, il me semble que celui-là, il parle d'un méchant, c'est ça? Iden, c'est un méchant. Des Starship Troopers, c'est ça? Et après il va se balader sur la planète Naboo et pour tuer la reine Elisabeth IV. C'est ça l'histoire. Il me semble que tu joues un méchant et après qu'il va se convertir, qu'il va découvrir qu'il a de la force. Et après qu'il va devenir gentil parce que il va découvrir la force. Ok. Oh, il y a bien longtemps dans une magasin. Ok, merci. Merci, ils vont nous résumer l'histoire, mesdames et messieurs. C'est parti. Si vous voulez pas de lecture, je suis un gamer. Pas de lecture, je suis un gamer. Oh, yes. Des classes. Des vaisseaux de type classe C. Oh, c'est bien fait. L'indéfectible croiseur de sécurité rebelle. Oh. Capitaine, elle est surentraînée. Imposture. Infiltration, extraction, elle est des forces spéciales. Extraction, infection, j'ai cru qu'elle allait continuer. Infection, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pénétration. Item Versio. Soustraction. Spaghetti Mafia. Escouade Inferno. Exécution. Pollution. Dissertation. Inflation. Il y a un mime à faire, frérot. Capitaine, elle est surentraînée. Regardez en moi. Extraction, soustraction, multiplication. Venons-en. Action. En fait. C'est pour ça que je suis. Mortification. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Bah alors les rebelles. Pourquoi les rebelles ils sonnent comme des méchants? C'est quoi ça? Vous savez que vous pourriez nous être utile. Aidez-moi et je vous aiderai, c'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde, en ce moment. Mes meilleurs techniciens? Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. On a des techniciens nous aussi, les gars. Vous n'avez pas sombré avec lui.
R-E-C-T-I-O-N. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. Qui a inventé des casques aussi pas pratiques, les gars? Et qui a mis une visière sur le lobe? 6, 2, 6. Et qui laisse le casque dans la chambre? Qu'est-ce qu'on a là? Un droïde tactique ID-10. Tu es bien plus avancé que l'ID-9. Quoi? Ça va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins intrusive? J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce... Ah, je joue le droïde, là! Juste pour te mettre dans le contexte, le capitaine tu joues au centre de Obi-Wan Kenobi. Elle part à la chasse aux rebelles qui n'ont pas payé les taxes de l'Empire. En chemin, elle tombe amoureuse... Mais tu spoiles le malade! Attention. En attendant, le seul moyen d'accéder au niveau de la merde, les gars, est d'en extraire le noyau mémoriel. L'analyse montre que cette idée... Ça ne servira à rien si le droïde est désactivé. Qu'est-ce que je dois faire? Tant qu'il n'aura pas entendu son code d'accès, c'est... Comment je change la FOV aussi, tu m'as dit? Jouabilité? Vidéo, mode d'affichage, niveau de flou de mouvement, au revoir, champ de vision, 110-90, et effet de film, 100, grain 100, distorsion lentille 100... Ok, tout est en ultra, mesdames et messieurs, régalez-vous, la rétine, c'est pour vous. ID-10 ne bougera pas. Laisse-moi travailler en paix, s'il te plaît. Bien compris, je garderai... Bon, comment je l'éclate, là? Utilisez les chocs de l'attaque électrique. Zzz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 z
Comment c'est tellement pas HD pour moi. Qui pourrait servir à l'attaque de l'étoile de la mort. Mais bon, ça va le faire, c'est pas grave, c'est pour vous. La jauge de détection montre à quel point les rebelles sont conscients de votre présence. Lorsque Kyoto, ok, c'est bon, frérot, tu me prends pour un noob ou quoi? Le commandement veut des nouvelles avant Endor, c'est possible. Merde! Mais il est trop dur ce jeu, mec! Ah, c'est déjà passé à la salle! C'est déjà passé à la salle, les gars! Aïe, aïe! Change la vue. J'étais à deux doigts de changer la vue, les gars! J'étais à deux doigts de changer la DVD. À deux doigts. Waouh. Mec, mais les rebelles, ils sont gentils, non? Oh yes, enfin ce scanner, les gars, des jeux solo qui me permettent de jouer aux jeux vidéo sans être un gros noob. Easter egg gamer. Easter egg. Contacte-moi quand c'est fait. Scan, connard! Non! Mort! C'est Boshi, c'est Boshi! Mais où peut-il être? Allez, c'est bon là, c'est trop dur. J'abandonne, c'est trop dur. Quel patron, quel patron, quel patron. Casse-toi. Casse-toi, je vais te brûler. Oh, comment je vais te cramer sec. Surprise. Comment, comment. Speedrun, softlock, softlock. Si tu as fini, rejoins-moi. C'est le moment. Speedrunner. Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais passer, les gars. J'ai cru que j'allais changer la difficulté. Je t'entends à travers le conduit. Tu n'es pas loin. J'ai cru que j'allais y passer, les gars. Giga Chad, j'ai Giga Chad et le robot. Yes! Ce petit robot est incroyable. Allons-y. Mais mec, d'où il me laisse? Commandant Version, le timing est parfait. Je me dirige vers le centre de communication. Bah putain, il marche bien ce jeu! Quand j'aurai trouvé et détruit le message impérial volé, je donnerai le signal d'extraction. Droid, ouvre la. Ça suffit. On ne sortira qu'après l'opération d'Endor. Qu'est-ce qui
Sure. Headshot. Ramasse le gun, connasse. Mais qu'est-ce que tu fais? Ramasse le gun. Il ne se doute de rien. Ouvre la cage, comme ça il va nous aider. Je ne suis pas le protocole habituel. On aurait dû détruire leur vaisseau. Ça aurait soulevé trop de questions. Pour ce travail, mieux vaut être discret. Mais ramasse le gun. Je comprends, commandant. Si bête. Si bête! Par contre, j'ai une batte télescopique, frérot. Ils m'ont laissé ma batte télescopique. Ici l'amiral Akbar. J'appelle l'indéfectible. Oh, vous avez maintenant connaissance de la balise qui dirige les vaisseaux de l'Alliance vers le système Galar. Avec cette ruse, nous détournons l'attention de l'Empire de Sulustre. Nous réunissons la flotte pour attaquer Endor. Les rebelles pensent toujours qu'on n'est pas au courant pour Sulustre. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Endor. Et il faut que ça continue. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, enfin mon plan tombe à l'eau. Oh, je suis en FPS. Pirate-le. Comment je vais cancel slide? Comment je cancel slide, c'est gros noobs. Scan la zone. Fuck les rebelles! Fuck les rébellions! Agent Ask, j'ai atteint le centre de communication. Supprimer le message déclenchera l'alarme. Soyez prêts pour l'extraction. Bien reçu. C'est le message crypté. Je sais pas comment mettre ce FPS. Nous avons des nouvelles ordres. La flotte impériale ira se positionner de l'autre côté d'Endor. Là, nous attendrons l'attaque rebelle. Puis. Qu'est-ce que t'as dit? Purge terminée. Mais les rebelles ne pourront plus rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Alerte! Prisonnière impériale s'est échappée. Elle est extrêmement dangereuse. Trouvez-la. Reste à baisser, c'est ok. Agent Ask, allez, c'est le moment. Mec, c'est quoi ces sons qui sont mal pétés, frérot? Je vais vous augmenter le son. Moi, je l'aurais pas augmenté, les gars, mais je vais vous l'augmenter pour vous parce que je vous connais, les gars. Attends. Non, il est déjà à 100, les gars. Je sais pas quoi faire. Genre, vraiment, je vais le mettre sur BS. Je vais augmenter sur BS. Parce que je sais pas quoi faire, franchement. C'est un délire. Desktop, VOD. Tac, et je vais mettre à 5 décibels en plus, je pense. Lancement des préparations. C'est peut-être trop, Attends, j'ai pas mis pause. C'est peut-être un peu trop, les gars, 5. Ça allait le son ou pas, les gars? Le son était bon? Ah ouais? Ok. Mec, moi j'entends que dalle, frérot. Ah merde, moi je peux l'augmenter là. Tu sais quoi, je l'augmente de 2. Ok, moi je l'augmente ici. Oh ouais, bébé! Le Corvus y sera. Comment je change d'arme? Droïde, pirate-moi ça. Comment je change d'arme? Molette? Non, je change pas. Analyse des menaces. C'est un peu cheaté, j'ai déjà un Wallach. Frérot. Attends, je vais augmenter un peu ma sensibilité parce que là je l'ai détruit beaucoup trop là. Je suis désolé, promis j'arrête, mais là je l'ai détruit beaucoup trop vite là. Sensibilité de zoom 47, sensibilité du soldat 25 je dirais. Après ouais, je vais augmenter tout à 25, je sais pas. Des véhicules, pourquoi c'est à 20, c'est à 16, pourquoi c'est pas déjà à 25, genre je comprends pas. En avant!
comme dans les films. J'ai cru que ça allait pas marcher. J'avais que j'ai en mode difficile extrême, hein, les gars. Analyse des menaces. Oh putain, je suis blessé. Oh putain, je suis blessé. Ça passe à travers. Waouh. C'est méga cheat de pouvoir voir à travers les murs, hein. Les gars, c'est méga cheat. C'est giga cheat. Giga cheat des cheat. Scanne-moi ça, bébé. Je suis en train de tuer les gentils, les gars, c'est pas normal. Pirate ça. Je suis en train de tuer les gentils, les gars. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. C'est méga chaud, heureusement que je suis chaud. Il y a un peu de recul, il faut que j'arrête. Allez, on est là. Let's go baby. Heureusement que je suis chaud, parce que je suis chaud quand même. Bien compris commandant. Préparez-vous à l'extraction. 3 2 1 Irréaliste. Morte. Mais morte, frérot, morte. What the fuck. Trop stylé, mais morte quand même. Les gars, vous êtes Team Empire ou Team... Eh, mettez un vote, Team Empire ou Team Rebelle, les gars. Quel team vous êtes, les gars? Genre, il fuit. Depuis quand l'Empire fuit? Commandant, sur le pont. Les bottes sont vraiment dures. Repos. Mission accomplie, commandant. Et sans aucune perte. Il y a à ce point-là autant de Team Empire. Oh, je suis patient. Je peux attendre. C'est vrai que les rebelles, ils ont l'air des coques. Vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque. J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabez. Je suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message? La position de la flotte. Les rebelles, c'est des coques. Aujourd'hui, la rébellion meurt. Mais pourquoi ils veulent tuer la rébellion? Pourquoi ils veulent faire la guerre? Ils sont bêtes ou pas? Elle est bien notée dans la campagne là, que je suis en train de faire, les gars. Attends, j'ai envie de voir le vote. Désolé, les gars. Ah ouais, vraiment? 50. L'étoile noire, non! Mais attends, elle a pas explosé. On est en quelle époque là, les gars? On est en quelle année? Piette, pauvre imbécile. Passez-moi les squads inferno, maintenant. On est en quelle année là, les gars? Épisode 6, c'est quoi le 6? C'est genre le premier Star Wars? C'est ça, le premier Star Wars? Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel, mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Le 6, c'était le troisième Star Wars. Ok, le 3. De la mort. C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Donc notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il
faut surtout pas que le plan de l'Empereur échoue. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez, on y va. Elle a des tissus, elle a du tissu et un casque et elle a survécu dans l'espace. Je suis pas d'accord. Irréaliste. Une cible, droit devant. Allez, suivez-moi. Compris, commandant. Quelle est la situation ? Dites au général Solo que... Allez, lance un tir à tâche. Je suis bloqué. Avant-garde, c'est l'élimination. Version améliorée d'avant-garde qui prolonge la durée de la... TL50 ? La TL50 ? C'est un fusil à pompe. Des ennemis. C'est fait. Le bunker est sécurisé. Commandant, renfort rebelle en approche. Waouh! Bonne volonté! Neutralisez toutes les cibles. Pire arme! Oui, commandant. Compris. Si j'enlève avant-garde améliorée, j'ai d'autres armes. What the fuck, je comprends pas votre délire là. Je prends quoi comme arme ? A280. Et j'enlève avant-garde ou pas les gars ? Ah donc je peux pas viser en fait, soit j'ai le canon à impulsion, soit je peux pas viser, c'est ça? Ça c'est snipe. Ça c'est normal. Et ça c'est snipe. Bon ouais, franchement je one tape tout le monde de toute façon, que ça change. Personne joue à Battlefront en première personne, si ? Mais elle est claquée, votre arme ! Alors, c'est quoi la utilisée par la rébellion lors de... dispose d'une option rafale pour une plus grande efficacité à moyenne distance. Rafale de 3 coups.
TL50, je suis à deux doigts de prendre la TL50. Les gars, TL50, c'est la meilleure arme, je pense. Vous êtes vraiment que des noobs. Conçu pour les forces spéciales impériales, voilà, c'est moi le boss. Et si j'ai pas avant-garde, du coup, j'ai quoi? On est repéré, on y va! Alors, attends, c'est quoi là? Je comprends pas, je comprends pas ce que c'est avant-garde, les gars. En visant, les tirs sont chargés pour infliger un maximum. Fusil. Attends. Remplace capacité droite. Canon impulsion 1. Fusil longue portée, incroyablement puissant, basé sur le DLT-20A. En visant, les tirs sont chargés pour infliger un maximum. Donc c'est ça que j'ai, c'est ça? Et si j'équipe, j'ai quoi? Ça change de sniper en pompe. Avant-garde, t'as un fusil à pompe. Merci. Voilà, ok. Merci. On est serré. On y va. Et ça, c'est quoi ce canon à impulsion? Ok, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon, c'est fini, je roule. Je vais rouler dessus, mon frérot, c'est bon. Le snipe se charge, ouais, c'est pour ça que ça pue la merde. Bon, attends, je peux la faire en sneaky? Je peux la faire en sneaky? Attention, commandant, une cible en approche droit devant vous. Squad en visuel, une au bunker et l'autre qui patrouille près de l'épave du marcheur. Bien vu, agent. On prend le relais. C'est quoi ça là-bas? D'autres rebelles. Attendez mon signal. Oui, commandant. Les commandants rebelles ont fait du beau boulot. Pas de cible en vue. Le marcheur est dégagé. Je vois pas un seul impérial. On est fermé. On y va. Non, c'est ça qu'il me faut, c'était l'arme qu'il me fallait, les gars. Conseil de progression, carrière, étape clé. C'est qui, Dell? Localisation des ennemis. Je peux pas changer mon arme, genre. Là il me faut le fusil à pompe, les gars, là il me faut avant-garde là. C'est 50 meilleurs de Jules, quoi. Si tu veux un bon fusil d'assaut et un. C'est bon. Un snipe qui charge pas, c'est le IAQ. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent, on sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, mettez-vous d'accord. Vermine une bonne fois pour toutes. Non, oui,
Michel, Luke Skywalker vous a baisé. J'ai spoil. Eh franchement, les gars, vous voulez détruire tous les mondes là, niquez vos mères un peu là. Eh quand même, l'Empire les gars, niquez vos mères. Il voulait détruire tous les mondes, il y a un moment, c'est ma bite. Pour l'instant, il faut vraiment. Heureusement qu'il y a les rebelles, moi je suis team rebelle. Moi je suis team rebelle, 100% les gars. Fuck l'Empire. Il voulait baiser tout le monde, c'est bon. Il y a un moment les gars, pourquoi vous êtes team Empire? Agent Nico, vous partez devant. Mais pourquoi vous êtes Empire? Je comprends pas. Ouais, agent As. Contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Bien, commandant. Je vous mets en communication. Amiral, l'escouade Inferno évacue Endor. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloot a ordonné la retraite. Quittons le système. Regagnez votre vaisseau, commandant. On vient d'y aller. J'avais les coordonnées. À vos ordres. Quand nous aurons atteint le campus, nous vous rappelons. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Quelqu'un s'est trompé. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Non, il y a forcément autre chose. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'Empereur a sous-estimé la force de l'ennemi et nous en avons payé le prix. Commandant, je... Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Merci, agent Nico. On s'occupe d'eux. J'ai un visuel... Je me charge d'eux. Patrouille neutralisée. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. J'ai besoin d'un piratage. Commandant, j'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Continuez, agent. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Barrage F2 pour vous équiper de lanceurs. Ouais, F2 frérot, qui a mis ça en F2? Qui a mis ça en F2? Pirate-le. Un dispositif de désamorçage modifié qui crée une décharge d'énergie ionique, surchauffe les armes d'ennemis, désarme les explosifs, désactive temporairement les tourelles. C'est bien ça. Ah bien ça. C'est quoi ça? DLT 19X, ok. Ça c'est un truc spécial. Et ça c'est un easter egg. En avant. Objet trophée, ok. Ennemis s'opposant sur Endor. Déploie des troupes partout sur cette lune.
Mieux vaut ne pas se tarder. Oh, ça pue le easter egg là chez les wikis. La grenade, j'en ai infini. Commandant, regardez. Les officiers augmentent l'efficacité de leurs alliés et peuvent déployer des tourelles défensives. Ok, vous voulez en première? Oui, c'est bon, t'inquiète, je suis tout. Ask, soyez prêts. À l'attaque! Grenade aveuglante, la grenade aveuglante. Elle est bien cette arme, je la trouve très bien. C'est quoi les guns sont bien, les pistolets sont bien. E11. Commandant, des rapports font état de transports ennemis se posant sur Endor. Ils déploient des troupes partout sur cette lune. La LED 150, je sais plus quoi, c'est la meilleure. Commandant, regardez. Déployez-vous et soyez prudent. On a déjà perdu deux patrouilles. Il n'y aura pas de troisième. Ah, soyez prêts. À l'attaque. Ouais, je préfère le viseur qui visait un petit peu plus. Le viseur qui visait un petit peu plus, les gars, était un chouïa mieux, les gars. Je vous le dis. Scanne la zone. Agent Miko, au rapport. Commandant, les rebelles ont pris la plateforme numéro 4. On va devoir se battre pour la récupérer. DLT 20A. Vous êtes déjà prêts, André. Soldats, nous allons reprendre cette plateforme et quitter cette lune. Bouclier, protège Eden des tirs de blaster et des explosifs. Oh, c'est bien ça. Remplace quoi? Grenade, bouclier. Remplace le scanner. Fuck, le scanner, c'est beaucoup trop OP, frérot. La E11 vient d'essayer, frérot, c'est bien, pas ouf. Commandant, on est avec vous. Pour l'Empire. Les sons sont bien, hein. Comment je me charge vite? Je viens de réaliser. Scanne la zone. Merde! Putain! Comment je recharge vite? J'ai pas vu. Y a moyen de recharger vite. Je viens de capter. Putain, ils ont des véhicules, c'est chiant. Comment je fais pour tuer un véhicule? Agent Miko, au rapport. Avant-garde, c'est bien. Frérot, je comprends rien. Avant-garde. Ah, genre en arme principale, j'ai que sniper, c'est ça? En arme principale, je prends sniper et je garde mon pompe, c'est ça? Oh, ça, il a l'air puissant. Hein, parce que là, il est en cooldown, les gars. La E11, j'ai essayé, les gars, pas ouf.
Je vais essayer ça là, ça a l'air pas mal ça. Scanner. Je vais rentrer dans le larme, hein, tu vas voir. Ça va y aller, hein. Là c'est fini, je m'en fous. Hein. J'ai une belle grenade. Alors c'est ce qu'on va faire. Agent As, vous venez avec moi. Envoie le feu. C'est terminé. Agent Miko, au rapport. Je vais les couper, non, je vais les couper, les gars. Et vous êtes déjà prêts, on dirait. Soldats. On m'avait dit que le canon impulsion c'était bien pour les véhicules. Ah, c'est vrai que j'ai un lance-roquette. Frérot. Bien, commandant, on est avec vous. Ah, 280C, c'est bien ça. Oh, ça a l'air tactique ça. C'est pas ce que j'ai d'équipé, A280CFE. Qu'est-ce que ça change, bordel? Ça, c'est la meilleure arme du jeu, c'est la meilleure arme du jeu, les gars. Y'a pas de débat. Les rebelles ont volé un marcheur! À terre! Commandant! Les rebelles ont détourné un TSCT! Il faut détruire ce marcheur! Ce blindage se suit au blaster! Bah attends, mais j'ai plus mon lance-roquette, frérot! C'est mieux. Mes postes de surveillance à terre, je répète. Ah, j'ai balles limitées pendant le hors. Oh mon dieu. Les rebelles ne peuvent pas gagner. Rebelles neutralisées. La plateforme est à nous. Direction l'ascenseur. On se retrouve en haut pour récupérer cet EIE. À vos ordres. Putain, ça envoie ça. Putain, GGG, faut tout le temps appuyer. EN150. C'est distance one shot dans la tête. Ça tire plus rapidement que dans la main. Hein, la ok, je regarde. Les ennemis sabotent nos vaisseaux et nous empêchent de fuir. Descendez-les et sécurisez les chasseurs TIE pour notre fuite. Suppression extraction. J'ai vraiment hâte. Montre-moi les cibles potentielles. Qu'est-ce que tu fais toi, une danse Fortnite? Soldats lourdement armés. Agent Miko, voilà votre chasseur TIE. Je vous couvre jusqu'à la fin. Non, partez. C'est là la première, je partirai la dernière. Gratos. Mec, mets en troisième personne, mets en FPS, qu'est-ce que tu veux? Analyse des menaces. Je décolle, commandant. Je suis prêt. Merde! Mets en troisième personne, mets en première personne, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Allez, c'est bon. Commandant, contact sur la plateforme. Les ennemis sabotent nos... Oh, mettez un vote. FPS ou troisième personne, c'est bon. Le vote, il va clôturer. Ah, c'est vrai qu'il y a des roulades, putain, c'est vrai, ça. Suppression extraction. J'ai vraiment hâte. Officier droit devant. En avant.
Quoi? One tap! Allez, c'est bon, c'est fini. Je les tue tous. C'est terminé. Tiens, c'est terminé. Je meurs plus jamais. Si je meurs, je sans sub. Vous m'entendez? Si je meurs là encore une fois là, je sors sans sub. Oui, de recevoir 14 mois, mon pote. R-Club 2 mois, merci Rose, 34 mois, merci mes bébés, merci pour le sub. En 21 mois, merci mes bébés, salut vous. Vraiment hâte. En avant! Ab, prenez le premier des lieux. Préparez le vent pour la retraite. Bien, commandant. Ennemi avec des armes lourdes. Agent Nico, voilà votre chasseur des lieux. Je vous couvre jusqu'à la fin. Non, partez. Vous êtes à la première, je partirai la dernière. Analyse des menaces. Je décolle, commandant. Je vous suis prêt. Tu décolles à côté d'un mec, il dégoûte. Non, mais les mecs, ils dorment tous, frérot, genre, qu'est-ce que c'est? Mon arme les gars, elle est très bien. C'est dur la conduite? Non frérot, moi je suis un pilote en fait. Jamais je suis un pilote. Toi ça c'est dur parce que c'est nouveau pour toi et les seuls véhicules qui conduisent sur Fortnite. Frérot, moi je conduisais des hélicoptères sur Battlefield 2, c'était vraiment dur. C'est vraiment dur. Montrez-moi. Waouh. La gerbe. Cette destruction montre le vrai visage de la rébellion. Et c'est pour ça que nous battons depuis si longtemps. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincue. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera. Comme lorsque la première étoile... C'est, la Sensi, elle est... Bon, je crois que c'est normal. Parce que sinon, c'est dur de tourner. Mais la Sensi, genre, elle est un chouïa élevé. Réponse de la souris, chasseur, 100%, vol avancé. Contrôle manuel de l'inclinaison en vol spatial. Les vaisseaux ne s'alignent pas automatiquement sur la ligne d'horizon. Putain, mec, c'est ouf, hein. Il y a vraiment des belles choses, hein. Sens visage, chasseur stellaire. De la mort a été détruite. On s'adapte, ou on meurt. Ah non, c'est trop bas, là. C'est ouf, la 5%, les gars, la différence, elle est trop. C'est la Sensi, les gars, c'est la Sensi. Cette destruction montre le vrai visage de la rébellion. Et c'est pour ça que nous battons depuis si longtemps. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincu. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera. Comme lorsque la première étoile de la mort a été détruite. On s'adapte. On meurt. Commandant, on a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Il y a un moment, les gars, il y a un moment, je suis à 30, frérot. Non, mais il y a un moment, je suis à 30. Et là, il y a un moment, je suis à 30 km/h. Il y a un moment, je suis à 30 km/h, frérot, il y a un beau truc qui touche mon aile, que pourquoi j'explose? Genre, what the fuck? On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère.
On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincue. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera, comme lorsque la première étoile de la mort a été détruite. On s'adapte, ou on meurt. Je vais essayer d'être propre. Commandant, on a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. Je vais essayer d'être propre. Demandez les coordonnées du ralliement à l'amiral. Commandant, je capte des signaux de vaisseau à l'extérieur du champ de débris. Ouais, il fume le mec, genre. Il y a des impériaux? Très peu. Les barres se sont repliées ou ont été détruits. Et le destroyer stellaire de l'amiral? Oh, j'ai cru que j'ai vu ça. L'incinérateur s'est positionné près du Corvus. Il semble être en parfait état. Au moins, Ask n'est pas seul sur le Corvus. On va peut-être s'en sortir, finalement. Putain, les débris m'ont fumé plus que les ennemis. T'es où, Grenoble? T'es où, Grenoble? Je redirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Commandant, chasseur en approche. Les bombardiers, défendez le Corvus, il n'a pas de bouclier. Facile. À moi. Code rouge. Mais frérot! Oui, j'écoute les dialogues. Mais mec, c'est trop... Là, je suis en mode difficile. Post-combustion. Ah merde, faut que j'utilise la post-combustion. Ok, ça roule, on va utiliser la post-combustion. Agent Ask, nous approchons du campus. Troisième personne ou FPS, les gars? C'est quoi le mieux? Injection ionique à 60%. Je redirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Commandant, chasseur en approche. Les bombardiers! Défendez le campus! Il n'a pas de bouclier! Les bombardiers lancent leur attaque! Ça y est, ça va chauffer, les gars! Putain, c'est impossible! C'est impossible! Merde!
Ça y est, ça vient les gars. Encore un bombardement comme ça et le Corvus est perdu, commandant. Fuck ton X-Wing, toi. Bouffon. Viens pour vous. Ça dégage! Juste à temps. Agent Miko, rejoignez le Corvus. Je vous suis. Commandant Versio, dites à votre vaisseau de se replier. Et rejoignez-moi sur l'éviscérateur. Chef? Ordre confidentiel, commandant. Je vous brieferai personnellement. Bien, amiral. Escouade Inferno, l'amiral et moi, nous vous rejoindrons plus tard. Compris, commandant. Enfin! Putain! Je trouve que, en fait, quand t'appuies sur Q et D, c'est ça le vrai problème. Je pense que c'est plus manette. Faut vraiment y jouer à la manette. Quand t'appuies sur Q et D, en fait, ton visage fait. Comme ça, tu vois. Tu as tête chercheuse et canon avec le E. Tête chercheuse, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. J'ai appuyé, mais j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Vous vouliez me voir, amiral? Approchez. L'empereur est mort. C'est qui? C'était Palpatine? C'est là où Palpatine est mort? Ah, je comprends rien. Nous allons riposter, commandant. L'Empire va s'attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre force. Mais il est pas vraiment mort, non? Parce qu'on le voit dans le dernier épisode alors, de Star Wars. Le dernier film de merde là qui est sorti. Telle force. On le voit, non? Palpatine. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur. Un honneur que je veux partager avec ma fille. Oh, c'est qui lui? Dark Vador? Dark Vador X Fortnite? Oh, bah tu vois, il est pas mort. Amiral Versio, le moment. Il est pas mort, Palpatine, qu'est-ce que vous racontez? Opération Cendre. Résistance. Rébellion. Sédition. Sédition. Nous ne excitation. Ces concepts pénétration. Persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en cendres ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira jusqu'à votre cible. L'opération Cendre est le tout dernier souhait de notre cher empereur, mais aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Quelle est la cible, monsieur? Vous n'êtes pas habillé. Vous n'êtes pas habillé. Cette information attendra. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. Allez, commandant. Faites notre fierté. Mais on est des connards, je comprends pas. Je contrôle une connasse. Dans le cadre de l'opération Cendre, nous sommes envoyés au chantier naval de Fandor. Pourquoi on veut tuer les rébellions, les rebelleurs? Nous aurons des satellites expérimentaux pour le destroyer stellaire Dauntless et assurons la sécurité du Moffret. Agent Miko, le Corvus est à vous. Anarchique. Eh, ça c'est Rogue One. C'est Rogue One ça, non? Les gars, ça c'est Rogue One le film? Oh, est-ce que commandant, j'ai suivi? Nous contrôlons les satellites. Bon travail, agent. Le Moffret a informé l'amiral que l'opération Cendre peut se mettre en marche. Attention, attention, les vaisseaux vont pénétrer l'espace. Yes! Tuez-nous vite! On est des connards! Ça c'est Rogue One, de quoi tu parles, frérot? Rogue One, c'est avant ça, mais mec, s'il faut bégoler. Quel est le plan, commandant? Protéger ce destroyer stellaire. Activation de tous les systèmes. On y va.